Le téléphone sonne dans le hall. Allô? Poirot? C'est vous? Ici Hastings. Merci d'appeler. Vous n'avez pas reçu de nouvelles lettres de l'assassin? Oh non, Dieu merci. Comment vont les choses à Churston? J'ai interrogé Lady Clark, mais je ne partirai pas sans avoir inspecté tout ce qui m'intéresse ici. Par chance, Franklin est absent, et je dispose d'un passe-partout. Avez-vous revu Thora Gray? Brièvement. Mais réjouissez-vous. J'ai l'intention de la convoquer bientôt à Londres. C'est une fille fascinante. Mais dissimulée. J'aurai quelques questions à lui poser. Poirot, je sens qu'elle est incapable du moindre mal. Chacun ses sympathies, mon ami. Les vôtres vont aux belles orphelines, les miennes aux vieilles dames malades. Poirot, vous vous moquez de moi? Sans malice aucune, soyez-en sûr. À bientôt, mon ami. Comment vais-je ouvrir cette malle? Examinons-la. Laissez le code sur la malle. Quel étrange personnage, ce Franklin. Quel est donc ce bruit? Je dois pouvoir ouvrir la malle maintenant. Et voilà. Pourquoi Franklin a placé une clé Allen à l'intérieur de sa malle? Je l'emprunte un instant. Du whisky et autres boissons de qualité. Monsieur Clark a vraiment des goûts raffinés. Du whisky et autres boissons de qualité. Monsieur Clark a vraiment des goûts raffinés. Une clé Allen. On peut la mettre dans 5. Encore une vis.
Cette gravure n'est pas très compréhensible. Je devrais arranger ça. Franklin doit vraiment aimer son pays pour avoir une gravure dans sa malle. Je pense avoir entendu que la trappe au-dessus s'est déverrouillée. Une chevalière. Une chevalière avec un code inscrit dessus. 1587. Elle pourra peut-être me servir. Collection privée de Combside, acquise depuis 1920. Le catalogue de la collection de Sir Carmichael Clarke. La porte est fermée à clé. La collection de Sir Carmichael pourrait rivaliser avec celle d'un grand musée. Ce meuble contient les dossiers des patients de Sir Carmichael Clarke. Examinons-les de près et voyons si je trouve des noms connus. Beaucoup de poussière. Les dossiers de E à Z n'ont pas été touchés depuis des années. Aucun nom connu. Décevant. Pas de poussière sur les dossiers de A à D. On les a manipulés récemment. Aucun nom connu. Décevant. La collection de... Je vois des papiers qui n'étaient pas là lors de ma première visite. Ces dagues ne sont que des armes de parade. Je ne pense pas que l'arme du crime soit ici. Ernest Logan, MD, Institut de cancérologie de Brighton, 201 Duss Road, Brighton, Sussex. À l'attention de Sir Carmichael Clarke, MD Combside Sherston, Devon, Brighton, 5 janvier 1935. Chers confrères et amis, à l'homme de science que vous êtes, je dois une parfaite franchise. Votre épouse Lady Clarke est atteinte d'un cancer généralisé en phase terminale. J'avoue n'avoir rien soupçonné de son état lors des premiers examens, mais les résultats d'analyse que je reçois aujourd'hui ne laissent malheureusement aucune place au doute. J'estime l'espérance de vie de votre femme à 1 an. L'hospitalisation ne changerait pas grand-chose dans son cas. Je vous conseille donc de la soigner à votre domicile et de lui faire administrer toute la morphine nécessaire pour adoucir ses derniers instants. Recevez, très cher ami, l'expression de mon estime et de ma compassion, Ernest Logan. Rapport d'expertise. Bien, terrain à bâtir 6 à Combside, Sherston, client Sir Carmichael Clarke, 15 avril 1935, cabinet Kurt & Broadskill. Rapport des Kurt & Broadskill. Cela me dit quelque chose. N'est-ce pas pour ce cabinet que travaille Donald Fraser?
Il y a là des objets de grande valeur.